Si Jésus est Dieu, pourquoi dit-il que le Père est plus grand que lui Ouvrant Jean chapitre 14, verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. C'est ce passage qu'utilisent ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, car disent-ils, si Jésus est Dieu, pourquoi dit-il que le Père est plus grand que lui Ceci sous-entend qu'il n'est pas le Père. Déjà, j'aimerais vous dire que ce n'est pas nous qui affirmons que Jésus est Dieu, mais ce sont les Écritures. Je vais ouvrir deux passages. 1 Jean chapitre 5 verset 20. L'apôtre Jean déclare ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui révèle qui est le Dieu véritable et il nous a donné son intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable, en son fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc c'est clair, selon ce passage, Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous ouvrons le prophète Esaïe, chapitre 9, verset 5. Il est écrit, Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller dieu puissant père éternel prince de la paix amen cette prophétie parle de Jésus l'écriture reconnaît qu'il est fils un fils nous est donné l'écriture reconnaît aussi qu'on l'appellera admirable conseiller dieu puissant voyez-vous donc Jésus est dieu et on ajoute père éternel donc le père c'est lui-même c'est ce qu'il dit à Philippe dans Jean chapitre 14 verset 7 à 9 celui qui m'a vu a vu le père Comment dis-tu montre le Père Et si vous n'avez pas encore regardé l'enseignement que j'ai fait sur qui est le Père selon Jean chapitre 17 verset 3, je vous invite à aller le regarder. Ainsi donc, si Jésus est Dieu et est Père selon 1 Jean 5 20 et 9 5 Jean 14 7 à 9, pourquoi dit-il encore que le Père est plus grand que lui Bien, d'abord, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'est le Fils. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le ministère de Fils. Ils ne comprennent pas ce que signifie le Fils. Qu'est-ce que le fils Nous ouvrons Colossiens chapitre 1 verset 15. Il est écrit Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. J'ai déjà fait un enseignement sur le premier-né de toute la création. Allez le regarder car ça ne signifie pas la première créature de Dieu. Non, allez regarder l'enseignement, vous allez comprendre. Colossiens chapitre 1 verset 15 on dit Il est l'image du Dieu invisible. Alors qui est le fils Le fils est l'image du Dieu invisible. Attention, on n'a pas dit ⁇ Il est à l'image ⁇ on dit ⁇ Il est l'image ⁇ Remplacez le terme ⁇ Image ⁇ par ⁇ Photo ⁇ Ça donne ceci. Il est la photo du Dieu qu'on ne voit pas. Voyez-vous Car Dieu est esprit, selon Jean chapitre 4, verset 24, et Jésus, on peut le toucher, on peut le voir. Il s'est manifesté en chair. Comprenez-vous cela? Et on dit de lui qu'il est l'image et non pas qu'il est à l'image. Donc Jésus est l'image de Dieu. Mais l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous ai dit remplacer image par photo. Ça va donner il est la photo de Dieu. Dites-moi, si vous regardez votre photo, c'est lui qui est dans cette photo-là. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre que vous? Prenons Hébreu chapitre 1, verset 1 à 3. Il est écrit. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Avez-vous bien compris? Après avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Et maintenant nous révèle qui est le Fils. On dit au verset 3 qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Soulignez bien cela. Donc le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Le Fils est l'empreinte de la personne de Dieu. Dites-moi, le reflet de Dieu, n'est-ce pas Dieu? L'empreinte de Dieu, n'est-ce pas Dieu lui-même? Si vous regardez au miroir, le miroir vous montre votre reflet. Pouvez-vous dire que celui qui est dans le miroir est différent de vous? Non. Votre reflet, c'est vous-même. Est-ce que deux personnes peuvent avoir la même empreinte? Non. Deux personnes ne peuvent avoir la même empreinte. Donc si le Fils est l'empreinte de la personne de Dieu, c'est que le Fils est Dieu. Ouvrons Apocalypse chapitre 19, verset 13. Il est écrit. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Avez-vous compris? Donc le Fils est la parole de Dieu. Mais comment on peut dissocier un être de sa parole? Non. Je ne peux pas dire à quelqu'un imbécile et après il me reproche de l'avoir insulté et je lui dis non, ce n'est pas moi qui t'ai insulté, c'est ma parole qui t'a insulté. Ça n'a pas de sens. Ma parole, c'est moi. Donc vous voyez que le Fils est l'image de Dieu, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu, le Fils est l'empreinte de Dieu. Le Fils est la parole de Dieu. Donc, conclusion, le Fils est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Selon Jean chapitre 1, verset 1 qui déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Avez-vous compris? La parole était Dieu. Donc Dieu, c'est la parole. Je ne peux pas dire à quelqu'un, non, ce sont mes paroles qui t'ont offensé, ce n'est pas moi qui t'ai offensé. Jésus déclare dans Matthieu chapitre 12, verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Pourquoi Parce que ta parole, c'est toi-même. Ainsi, le Fils étant l'image, le reflet, l'empreinte, la parole de Dieu, c'est que le Fils, c'est Dieu lui-même. Prenez un exemple pour que vous puissiez comprendre. Supposons que les policiers recherchent un présumé meurtrier et on arrive dans les lieux du crime et on retrouve des images de la vidéosurveillance et cette image-là, c'est vous qui êtes dans cette vidéo. Un, deux, on retrouve vos empreintes. Et trois, on retrouve des paroles de vous. Donc, vous avez été enregistr enregistré et vous ne le saviez pas. Donc, on retrouve ces trois choses. Votre image de la vidéosurveillance, vos empreintes que vous avez laissées comme trace et on retrouve vos paroles qui ont été enregistrées. Et maintenant, les policiers viennent à vous. On vous pose la question. Messieurs, c'est lui qui est dans cette surveillance Est-ce que c'est bien votre image ici? Est-ce que c'est bien vous? vous, vous, vous reconnaissez? Vous dites oui? C'est bien mon image, c'est bien ma photo qui est là. Et on, on, on vérifie vos empreintes. On dit, c'est bien vos empreintes. Vous dites oui. Et on vérifie maintenant les enregistrements audio. On dit, c'est bien votre voix, c'est bien vos paroles qu'on entend là, qui est en train de menacer la victime. Vous dites oui. Dès lors que vous admettiez qu'il s'agit de votre image, vos empreintes et votre parole, on vous arrête parce qu'il s'agit de vous-même. Est-ce que vous comprenez cela? Mais vous ne pouvez pas admettre qu'il s'agit de votre image, admettre qu'il s'agit de vos empreintes admettre qu'il s'agit bien de vos paroles et dire que ce n'est pas vous. Non. À moins que vous niez, là, on peut se comprendre. Si vous dites, non, ce n'est pas mon image, non, ce n'est pas mon empreinte, non, ce n'est pas mes paroles, là, on vous laisse tranquille parce que ça veut dire, ce n'est pas vous. Mais Dieu reconnaît que le Fils est son image. Dieu reconnaît que le Fils est le reflet de sa gloire. Dieu reconnaît que le Fils est l'empreinte de sa personne. Dieu reconnaît que le Fils est sa parole. Donc, conclusion, le Fils, c'est lui-même. Est-ce que vous comprenez cela? Voici pourquoi l'Écriture dit que le Fils est Dieu. Ouvrant Hébreu chapitre 1, verset 8. Il est écrit, mais il a dit au Fils, écoutez bien ce qu'il a dit au Fils, ton trône, ô oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Avez-vous entendu? Donc ici, Dieu dit du Fils, ô oh Dieu. Donc Dieu reconnaît que le Fils est Dieu, c'est-à-dire le Fils, c'est lui-même. <laughs> Voici pourquoi le Seigneur Jésus déclare dans Jean chapitre 10, verset 30, Moi et le Père, nous sommes un. Donc il ne s'agit pas de deux individus. C'est un seul. Vous ne pouvez pas regarder votre photo et dire que ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas vous regarder au miroir. Donc le miroir vous montre votre reflet et dire c'est mon reflet, mais ce n'est pas moi. Vous ne pouvez pas nier vos empreintes. Vos empreintes, c'est vous-même. Et vous ne pouvez pas dire que votre parole, ce n'est pas vous. Votre parole, c'est vous-même. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, le Fils est Dieu. Selon Hébreu chapitre 1, verset 8, c'est clair. Parce qu'il est l'image de Dieu. Il est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. Il est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, pourquoi dit-il que le Père est plus grand que moi? C'est parce que les enfants de Dieu ne connaissent pas l'incarnation. Ils ne comprennent pas l'incarnation. Alors, on va ouvrir deux textes. Philippiens chapitre 2, je vais lire du verset 5 à 7. Il est écrit Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, donc il existe en forme de Dieu, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, soulignez bien cela, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Donc, le Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé. Vous comprenez cela? Il a pris une forme d'humilité. Il a pris une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Notez bien le verbe devenir. Donc, Jésus-Christ n'est pas un homme. Mais il est devenu un homme. Car Jésus-Christ est esprit. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il est dit que le Seigneur c'est l'esprit. Donc, Jean chapitre 13, verset 13, Jésus dit aux disciples, Vous m'appelez maître et seigneur, vous le faites bien, car je le suis. Donc, le Seigneur, c'est qui C'est Jésus. Or, 2 Corinthiens 3, 17 dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, Jésus est esprit. Maintenant, il va se dépouiller de sa gloire et il va devenir un homme. Il va se rendre semblable aux hommes et il va paraître comme un simple homme. Voici la réalité de l'incarnation. Le Seigneur qui se dépouille vraiment de sa gloire, et qui devient un homme. Voici pourquoi dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, on dit Jésus-Christ homme, parce qu'il est devenu un homme. Il n'était pas un homme. Il est esprit. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, et il est devenu un homme. Prenons Ésaïe chapitre 53 1 à 3. Il est écrit, Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire méprisé et abandonné des hommes hommes de douleur et habitués à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas Avez-vous compris cela? On parle ici de Jésus-Christ dans son incarnation. Quand il est devenu semblable aux hommes, on dit il n'avait ni beauté, ni éclat. Donc il n'avait même pas d'éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc on voit clairement le Fils qui s'est dépouillé, comme l'a dit Paul dans Philippiens chapitre 2 verset 5. Donc Dieu s'est dépouillé. Dans l'incarnation, Jésus peut avoir faim. Selon Matthieu chapitre 4 verset 2, il est écrit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Quand il est devenu un homme, il peut avoir faim, selon Matthieu 4, verset 2, il peut avoir soif, selon Jean chapitre 19, verset 28, et dans Jean chapitre 4, il dit à la femme samaritaine, Donne-moi à boire. Dans son incarnation, quand il est devenu homme, il pouvait être fatigué, c'est écrit. Dans Jean chapitre 4, verset 6, Jésus était fatigué du voyage. Il pouvait dormir dans l'incarnation, selon Luc chapitre 8, verset 23. Donc il est vraiment devenu semblable à un homme. Ça fait qu'il a maintenant des limites. Il est Dieu mais dans un corps d'homme. Vous comprenez cela Prenons 1 Timothée chapitre 3 verset 16 qui dit clairement que Jésus qu'on a vu là, le Fils, c'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Et je vous encourage à le lire dans la version d'Arby parce que c'est très bien expliqué. Dans les autres versions, on dit simplement, c'est lui qui a été manifesté en chair, mais on ne dit pas clairement qui est celui qui s'est manifesté en chair. Donc je vais lire 1 Timothée 3 verset 16. Version d'Arby. écoutez. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Vous comprenez? Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Vous comprenez cela? Donc c'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Même si vous n'avez pas de version d'Arbi, vous pouvez faire une démonstration en prenant Jean chapitre 1 verset 1 et le verset 14. Selon Jean chapitre 1 verset 1, il est dit Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole était Dieu. Et quand on dit la parole était avec Dieu, ça ne veut pas dire que la parole était à côté de Dieu. Ça ne veut pas dire que la parole était à, à la droite de Dieu. La droite de Dieu ne signifie pas littéralement la droite de Dieu. <laughs> on fera un seulement là-dessus. Beaucoup n'ont pas la révélation de ce qu'est la droite de Dieu. Vous comprenez Quand on dit la parole était avec Dieu, il faut simplement regarder le verset 18 qui dit que le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est-à-dire que le Fils était dans le Père. Il sent un seul être. Vous comprenez cela Il était dans le sein du Père. C'est pourquoi dans Jean 10, verset 30, il dit ⁇ Moi et le Père, nous sommes un. Bref. ⁇ Jean chapitre 1, verset 1 dit clairement que la parole était Dieu. Et quand vous allez au verset 14, on dit Et la parole a été faite chair. Vous voyez, donc Dieu s'est fait chair. En accord avec 1 Timothée 3, verset 16, version Darby qui dit Dieu a été manifesté en chair. Donc, quand Dieu s'est manifesté en chair, c'est ça le reflet de Dieu. Quand Dieu s'est manifesté en chair, c'est ça l'image du Dieu invisible. Quand Dieu s'est manifesté en chair, c'est ça le reflet de Dieu. Quand Dieu s'est manifesté en chair, c'est ça l'empreinte de la personne de Dieu. Quand Dieu s'est manifesté en chair, dans son incarnation, il s'est dépouillé de sa gloire. Selon Philippe chapitre 2, à part de verset 5. Il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif, il pouvait être fatigué et il pouvait dormir. En d'autres termes, il était limité. Vous comprenez cela? Et voici pourquoi il dit, le Père est plus grand que moi. Car dans la position du Père, il est esprit. Comme je vous l'ai dit, selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, selon Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Mais dans la position de fils, il est homme. Selon 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il dit Jésus-Christ homme. Voyez-vous, et dans cette position-là, où il est manifesté en chair, il a des limites. Vous comprenez cela C'est pourquoi je vous ai dit qu'il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif, il pouvait être fatigué, il pouvait dormir. Donc, il est limité dans sa manifestation chair parce qu'il s'est imposé ses limites afin vraiment d'être semblable aux hommes. Supposons qu'il ne s'est pas fixé ses limites-là. En quoi devait-il être semblable aux hommes Vous voyez, il fallait qu'il se dépouille, comme dit Philippiens 2, à part verset 5. Il fallait qu'il se dépouille pour se rendre semblable aux hommes. Et parce qu'il s'est dépouillé, donc il est limité. Et voici pourquoi il dit Le Père est plus grand que lui. Dans la traduction simple, ça veut dire Jésus-Christ, esprit, est plus grand que Jésus-Christ, homme. Là où Jésus-Christ, homme, a faim, Jésus-Christ, esprit, n'a jamais faim. Là où Jésus-Christ, homme, a soif, Jésus-Christ, esprit, n'a jamais soif. Là où Jésus-Christ, homme, peut se fatiguer, Jésus-Christ, Esprit ne se fatigue jamais. Là où Jésus-Christ homme peut dormir, Jésus-Christ Esprit ne sommeille ni ne dort. Vous comprenez cela Donc le Père est plus grand que moi. C'est Jésus-Christ Esprit qui est plus grand que Jésus-Christ homme. Pourquoi Parce que dans l'incarnation, il a des limites que lui-même s'est fixées afin d'être semblable aux hommes. Voici la révélation du Père est plus grand que moi. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux êtres différents. Non, car le Fils est l'image, elle l'empreinte, elle le reflet, est la Parole de Dieu. Et s'il laisse tout cela, c'est qu'il est Dieu lui-même, comme on l'a vu dans Hébreu chapitre 1, verset 8. J'espère que vous avez bien compris que le Père est plus grand que moi, veut dire Jésus-Christ esprit est plus grand que Jésus-Christ homme, car Jésus-Christ homme est confronté aux réalités de l'humanité et de l'incarnation. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Apôtre Ribot, numéro WhatsApp plus 241 74 30